Donc, dans l'autisme, il y a une des particularités dans leur traitement des informations, dans leur manière de gérer leur vie quotidienne, qui a à voir avec ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Alors, qu'est-ce que c'est les fonctions exécutives? C'est les capacités qu'on va avoir pour, lorsqu'on doit prendre le contrôle de sa vie, de ses activités, de ce qu'on va organiser pendant sa journée, par exemple. Donc, les personnes avec autisme ont beaucoup de difficultés avec la planification, c'est-à-dire à organiser ce qu'ils ont à faire avec des buts, des sous-buts, puis à savoir où ils en sont dans leurs activités. Une application a été construite qui s'appelle SATED. Alors, SATED, ça t'aide à quoi? Ben, ça t'aide, ça permet de faire un agenda de la journée, de mettre les différentes étapes qu'il va y avoir dans la journée pour que la personne elle puisse voir, ah oui, d'abord je vais prendre mon petit déjeuner, puis ensuite je vais prendre ma douche, puis ensuite je prendrai le bus. Donc ça permet de montrer les différentes étapes de la journée. Donc c'est une application qui demande à l'environnement de la personne avec autisme d'intervenir aussi pour aider à planifier, pour construire le programme. Donc ça implique un peu tout le monde autour de la personne avec autisme qui va utiliser ce logiciel. L'application SATED, elle apporte de nombreux avantages pour les personnes avec autisme parce que c'est un outil très pratique pour organiser leur activité de la vie quotidienne, pour planifier les activités qu'ils ont à faire pendant une journée. Et ça, on le sait que les personnes avec autisme ont besoin de cela et c'est vraiment une application qui est très efficace pour ça. Et puis pour les personnes avec autisme, elle a quand même le charme aussi d'être un outil informatique qui les rend autonomes, ils peuvent l'emporter avec eux, ça ne prend pas beaucoup de place, si c'est sur le téléphone, on l'a dans la poche et on peut le consulter toutes les fois qu'on en a besoin, contrairement à un planning qui serait affiché dans une pièce et qu'il faudrait aller consulter. Donc l'application SATED a néanmoins quelques limites qu'il faut mentionner. D'abord, elle n'est pas toujours mise à jour avec les nouvelles versions des téléphones ou des iPads ou des tablettes que l'on pourrait avoir. Donc ça peut rendre l'utilisation de l'application un peu compliquée. L'autre inconvénient peut être beaucoup plus important celui-ci, c'est qu'une fois qu'on a programmé une activité ou une tâche dans son détail, on ne peut pas la modifier. Si on veut la modifier, en fait, on doit toute la reprogrammer, ce qui est assez fastidieux lorsqu'on a un petit changement d'horaire ou lorsqu'on a un petit changement dans la tâche. Et puis, il y a une dernière chose qui est peut-être un peu compliquée pour les personnes qui vont essayer de programmer cette application, c'est que la programmation n'est pas très intuitive. Donc, ça demande quand même un temps d'adaptation pour réussir à faire un agenda qui fonctionne bien pour la personne. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la suite avec cette application SATED? Je pense que c'est vraiment important de demander à ceux qui l'ont conçue de faire les mises à jour, qu'on puisse continuer d'utiliser avec les appareils plus récents, et aussi peut-être qu'ils améliorent la programmation pour qu'elle soit encore plus facile. Et je pense qu'il y a aussi une chose importante à mentionner, que cette application soit plus diffusée parmi les personnes qui pourraient en bénéficier. Elle n'est certainement pas encore assez connue.